À Brazzaville, le pain est une nourriture de première nécessité très prisée qui n'échappe pas au quotidien des populations. Aussi attire-t-il des vendeurs tout âge confondu, sans distinction de sexe. Des femmes qui traînent des cuvettes de pain sur la tête, marchant aux abords le long des avenues. Des cuvettes de pain que l'on trouve aussi au sol ou sur des petites tables, voire aussi sur des brouettes couvertes de carton. Cette particularité de vente revient aux hommes. Le pain, il existe sous plusieurs formes à Brazzaville, vendu à des prix variés. En général, le pain est fabriqué dans des boulangeries à l'aide des quatre éléments essentiels. À la question de savoir, y a-t-il un contrôle d'État dans la fabrication du pain? Quelques consommateurs n'ont pas retenu leur souffle. Je ne pense pas que l'État a le contrôle parfait de fabrication de pain de ce pays. Je ne pense pas. Puisque la majorité des boulangeries sont de nos étrangers, les Congolais n'ont plus le monopole. Donc ces mêmes étrangers ont la possibilité d'empoisonner le pain, tuer les Congolais. Hein? On a comme impression que c'est des étrangers qui gèrent ce pays concernant la fabrication de pain. Même les boutiques sont gérées par des étrangers. Donc nous ne savons pas, nous ne connaissons plus notre droit de veto. C'est ça le problème. Le souhait serait que si l'État peut voir ce problème, ça serait une très bonne chose. Et confier, si possible, des fonds aux Congolais, leur aider à accomplir cette mission-là. Parce que je pense que la fabrication de pain, c'est les Congolais eux-mêmes qui devaient le faire. C'est le Congolais. Les étrangers, on ne sait jamais demain. Parce qu'ils ne sont pas chez eux ici, là. Et tous les fonds qu'ils trouvent ici, ils amènent chez eux pendant que nous souffrons. Voilà, ce n'est pas juste. Tout à fait normal que les étrangers puissent contribuer à l'économie de notre pays. Parce que nous sommes dans un système libéral. Quand nous en grandissait, le pain était entre les mains des nationaux, des Congolais qui fabriquaient le pain. Mais avec, au fil du temps, avec l'évolution des choses, on a libéralisé le secteur. Donc n'importe qui peut venir investir au Congo, mais c'est avec l'accord du ministère du Commerce. Donc les Congolais n'aiment pas le commerce en général. Ce sont des paresseux. Voilà pourquoi les étrangers, notamment les sujets libanais ou je ne sais pas ouest africain, ils ont pris le monopole de ce marché. Mais à ce que, pour dire la vérité, au départ, les pains étaient mal transportés, les conditions de transport du pain. Mais les autorités, hein, ils ont quand même fait un effort pour que le pain puisse être transporté dans les bonnes conditions. Mais ce qui est vrai, moi je consomme par exemple le pain qui est fabriqué sur la descente de l'ABC là. Hein, je ne sais pas, quelque part là. Les pains en boule, vous sentez que ça c'est le vrai pain. Maintenant les autres là, je ne sais pas. Mais parfois on voit que le pain est gros, mais c'est la levure qui fait que le pain puisse augmenter de volume. Et il y a des produits parfois cancérigènes. Donc ça, on ne peut pas condamner ni les étrangers, ni l'État congolais. Mais nous voulons qu'au moins le produit que les Congolais consomment soit de bonne qualité. Bon, je ne pense pas. Hein. Je pense pas. Vu la qualité du pain d'aujourd'hui, nous voyons que le pain a maintenant des effets secondaires. Comme par exemple, ça donne la constipation, l'hémorroïde, tout qu'on sort. Sauf que c'est quoi? C'est que les boulangeries, en fabriquant le pain, usent de leur propre manière de le fabriquer. L'État n'a aucun contrôle sur ça. Nous voyons même leurs véhicules de livraison de pain sont vraiment usés. Il n'y a pas vraiment l'hygiène. En tout cas, l'État, sur ce point-là, n'a pas encore effectué un contrôle de qualité. Mais ce que nous voulons, que l'État puisse commencer maintenant à contrôler ces gens-là pour le bien-être de la population et que nous soyons sains, nous puissions vivre dans la sobriété. L'État a contrôlé ma papongoté. Exemple, ma maman, yo, parce que ma maman pawa, a go ou tana brouette ma pawa, ko traversé na ma paye, et paye na ma belle, a go l'orotali sousou, a zongi si na gacha brouette, bisoto a go somba li sousou poto la, yo monite ya vraiment, ma ramba bongo vraiment, c'est malheureux ya. A kambo yo ya hygiène en Italie, ministre de la Santé. Ma kambo en Italie, ministre de la Santé, ma kambo hygiène. A zo yo kabiso bien, ma ndekope basaliawa. Je suis allé à la boulangerie, je suis allé à la boulangerie,
Considéré dans tout le pays comme premier aliment de base ex aequo avec le manioc, le pain en définitive n'apporte quasiment pas de lipides. Et devant la flambée des boulangeries, dirigées parfois par des étrangers, l'État devrait exercer un contrôle qui régularise les normes de sa fabrication.